On a les images impressionnantes d'un braquage en plein Paris. Vous les avez peut-être vues, quatre malfrats qui sont recherchés après donc ce braquage de la boutique Chanel sur la célèbre place Vendôme. C'était hier après-midi dans la capitale. Ils ont été filmés lourdement armés à bord d'un scooter et d'une moto. Le butin est de plusieurs millions d'euros. Ambre Le Poivre du service police-justice à RMC, vous nous dites que c'était une opération minutieuse. L'opération a duré une dizaine de minutes seulement. Vers 15h, quatre hommes casqués et entièrement vêtus de noir arrivent devant la boutique Chanel. Trois d'entre eux pénètrent dans la bijouterie, le quatrième fait le guet. John travaille dans la boutique d'en face, il a tout vu et tout filmé. Ce que j'ai vu, c'est la calache sur le flanc de l'homme qui attendait. Et à l'intérieur du magasin, les hommes se servirent. C'est resté discret, il n'y a pas forcément eu de bruit. Les passants continuaient de déambuler dans la rue. Pendant ce temps, les braqueurs récupèrent leur butin, estimé à plusieurs millions d'euros. Anastasia travaille dans la même rue, elle les a vus s'enfuir. Ils sont ressortis avec des sacs noirs. Ils étaient tous armés et ils sont repartis en toute vitesse. C'est choquant de voir Chanel qui se fait braquer si facilement en plein centre. Les employés ont été menacés, mais les braqueurs n'ont fait aucun blessé. Pour Norabé du syndicat de police Alliance, leur mode opératoire laisse penser qu'ils étaient bien préparés. On a vraiment affaire à des personnes lourdement armées. En plus, Chanel a déménagé, fallait le savoir. Ça nous indique déjà qu'on n'a pas affaire aux voleurs lambda, quoi. En septembre dernier, c'est la bijouterie Bulgari, située à une centaine de mètres de la boutique Chanel, qui avait été dévalisée. Un préjudice évalué à 10 millions d'euros.